Guerre en Ukraine, les missiles Storm Shadow Scarp. Vous savez que les Britanniques et les Français ont tellement parlé de ces missiles, non? Qui a été conçu par ces deux pays-là, le Royaume-Uni et la France. Storm Shadow, les missiles Storm Shadow Scarp. Les missiles Storm Shadow Scarp, on va envoyer, ça sera du game changer. Dès qu'on va tirer ici, ça va faire brrr, 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 brrr. Il n'y a pas des armes miracles. Il n'y en a pas. Il n'y a pas des armes miracles quand vous êtes en train de parler avec un pays comme la Russie. Ça n'existe pas. Et les Russes ont intercepté un de ces missiles-là. Ah oui. Ils ont intercepté un de ces missiles. Et les amis, ils ont commencé à étudier cela. L'algorithme de ces missiles, comment faire pour neutraliser davantage ces différents missiles? Les différentes écoles, les spécialistes en Russie sont en train de travailler là-dedans. Et pour la première fois, le ministère de la Défense russe a fait filmer. Parce que peut-être que les Britanniques, avec les MI6 et tout ça, les Français et tout, n'avaient pas l'information qu'un de ces missiles a été, ou des missiles Scarp, ou Storm Shadow Scarp, les Russes étaient en possession, j'y arrive enfin, de ces missiles. Oui, les amis, oui. Les Russes sont en possession de ce missile aujourd'hui. Regardez donc cette image qui est à l'écran là. C'est l'image publiée par l'agence de presse officielle de la Russie et c'est l'armée russe qui les a permis donc de filmer cela. Où des techniciens en Russie sont en train de travailler sur ces Storm Shadow Scarp. Pour voir des choses qu'ils ont fait à l'intérieur, améliorer et comment faire pour stopper tout ça, détruire même en distance ces missiles, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et certains ont dit que ils ont déjà travaillé pour améliorer les systèmes d'anti-défense pour pouvoir neutraliser facilement ces missiles Storm Shadow. Si ce n'était pas la guerre en Ukraine, les Russes devraient difficilement avoir accès à ces missiles. Mais bon, là où il y a la guerre, comme il y a la guerre en Ukraine, et les gars, ils envoient les missiles, ils envoient les armes, à chaque fois, ça tombe entre les mains des Russes. Vous avez vu que les Russes nous ont montré les chars Abrams. Les chars Abrams en possession des Russes. Les chars légers MX-10 en possession des Russes. Les Challenger en possession des Russes. Donc, les Russes capturent ces armes-là pour améliorer les leurs et pour aussi fragiliser la défense des autres pays. C'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui, la plupart de ces pays-là ne suivent pas la France dans ce délit d'Emmanuel Macron de vouloir attaquer la Russie ou du moins envoyer des troupes en Ukraine. Les gars ne sont pas prêts à tout cela parce qu'ils savent aujourd'hui que l'invincibilité voulue chanter à longueur de journée dans les différents médias et autres avec des généraux sur les plateaux de télévision, ce n'est qu'un leurre. Donc, il faut faire très attention avec celui qui a votre secret. C'est-à-dire que vous envoyez tel missile. Il y a les patriotes, par exemple. Pourquoi est-ce que Zelensky demande les patriotes aujourd'hui, les amis? N'est-ce pas au début, ils avaient dit que les patriotes fonctionnent à merveille, c'est encore là et tous les Russes nous avaient dit qu'ils ont détruit les patriotes avec les missiles hypersoniques. Ils ont détruit les patriotes avec les missiles. Oh non, ce n'est pas vrai et tout ça. Je pense que c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les Américains tirent les pieds sur le soutien en Ukraine. Parce que si les Américains ont vanté leur système anti-aérien de défense patriote comme le meilleur au monde et que les Russes ont réussi à détruire, ben, c'est un problème. Zelensky demande encore, envoyez, on veut des patriotes, n'est-ce pas? Les Norvégiens ont même envoyé leur système anti-aérien. Ça a été détruit par les Russes. Donc, les gars ont peur aujourd'hui de continuer de faire cela. Donc, l'image que vous avez vue tout à l'heure là, c'est, je répète, ce sont les missiles britanniques et français qu'ils ont vantés. C'est des missiles invincibles, on ne peut pas arrêter. Parce que si ça avait entré en contact avec sa cible et explosé, ça devrait être tellement difficile, on ne pouvait rien voir. Ça devait être les paf. Maintenant, ces missiles, je ne sais pas comment les Russes ont fait pour capturer en entier un missile Storm Shadow Scarp. Ils ont capturé ces missiles-là. Ou c'était un stock, ils ont mis ça quelque part, l'armée russe est arrivée là-bas. Je ne sais pas, ils ont bombardé, les gars ont fui en abandonnant ça. Je ne sais pas, les amis.
ils vont pas du tout nous expliquer comment ils ont fait pour capturer ces missiles Storm Shadow Scar. Tu vois, quand ils montrent comme ça, non, les amis, il y a un problème en Occident. C'est-à-dire que les Français, les Britanniques disent, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Regardez notre engin, notre missile à nous, quand on disait que c'était futuriste et tout ça là. Et que les gars, ils capturent et après, ils dépiècent et ils filment en mondovision pour montrer que quoi? Quand nous sommes vulnérables, mais vous êtes vulnérables. Votre vulnérabilité a été exposée avec ce qui se passe en Ukraine. C'est de ça qu'est la question aujourd'hui, les amis. Thank you for always watching videos on this platform. Thank you again. If you have time, please subscribe. If you have time, comment. If you have time, share the videos. If you have time, like. It's always a pleasure to know that you're outnumbered watching videos on this platform day in, day out. And we're also happy to know that we inform you and then you're happy with all the necessary information we're giving you regularly on this platform. Thank you again. Thank you once more. And bye-bye for now.